Merci sincèrement de ton intervention, Patrick. Ça légitime un petit peu effectivement nos actions, même si effectivement on était conscient de ce que Gérard avait lancé. On voit bien qu'effectivement il y a une vraie légitimité, encore une fois, à être là et à ce que ça dure encore. Pourquoi pas pour 20 ans de plus, minimum. Donc nous allons enchaîner donc sur la table ronde des récifs artificiels, donc des abris pour la biodiversité marine, avec donc les intervenants qui sont autour de la table si présents. Donc avec Emilia Medioni, donc responsable division des milieux naturels, service mer et littoral à la ville de Marseille. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Philippe L'Enfant, professeur en océanographie biologique à l'université de Perpignan. Donc Patrick Crozet, bien sûr, qui vient de s'exprimer. Et Thomas Soirzic, donc directeur de CNAO, donc conseil expertise en environnement marin. Et j'excuse une nouvelle fois en fait Sylvain Pioche, qui n'a pas pu être présent avec nous. Donc, si vous me permettez, en fait, nous allons donc commencer dès à présent en fait par Monsieur L'Enfant, peut-être, pour pouvoir nous parler de la question en fait du fonctionnement de l'écosystème récif, finalement, puisque nous avions essayé en fait de pouvoir découper les choses pour vraiment en fait comprendre comment les espèces finalement arrivent à coloniser un récif artificiel. La parole est à vous. Avec, oui. Oui, c'est moi, je me l'ai jamais. Non, 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 mais c'est pas ça. Je vais prendre le. Sylvain Pioche n'est pas là. Donc, je vais peut-être te dire quelques mots quand même sur. Parce qu'il devait intervenir sur tout ce qui est matériaux. C'est quand même important de rappeler un peu ce qui se fait, surtout qu'il y a des évolutions qui sont récentes et qui sont intéressantes. On a vu sur les images, c'est surtout du béton. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que ça résiste, c'est longévive. Mais si on regarde au niveau du Japon, il y a aussi du métal. Il y a beaucoup de structures métalliques qui permettent d'avoir plus de hauteur. Mais bon, comme ils ont des côtes qui sont à corps, c'est-à-dire avec des fonds qui sont assez importants, ils peuvent se permettre d'immerger quasiment des tours Eiffel, pour vous donner un peu l'idée de la hauteur des structures. Et donc voilà, qui permettent d'avoir des structures plus importantes. En France, c'est pas trop utilisé parce qu'on n'a pas suffisamment de fonds, donc on reste vraiment sur du béton. Vous avez vu au début, c'était des structures qui n'étaient pas forcément, qui étaient pas, comment dire, dessinées pour être des récifs artificiels, hein. C'était souvent, ça venait du BTP. Après, vous êtes passé sur des structures où là, il y avait un objectif réel. En termes de béton, de forme. Sylvain, vous aurez parlé des nouveaux bétons, c'est-à-dire qu'actuellement, avec l'école des mines d'Alès, ils travaillent sur des nouveaux types de béton et sont souvent des bétons coquillés, c'est-à-dire que il y a des coquilles qui sont broyées, qui sont mélangées au béton, pour essayer d'augmenter l'aspect, la granulométrie et avoir une complexité au niveau des surfaces, parce qu'on voit bien que là, en sortant du moule, c'est assez lisse. On ne s'inquiète pas, hein, le fouling, il vient assez rapidement. Mais voilà, ils essayent de développer des structures où le fouling va pouvoir se faire peut-être plus rapidement. Et puis, là, dernièrement, avec l'explosion des impressions 3D, eh bien, on passe sur d'autres modèles et là, on a accès à des formes qui peuvent être très complexes. Et on parle même de fractales, c'est-à-dire des choses où ça part un peu dans tous les sens au niveau forme, mais à différentes échelles, à très petite échelle jusqu'à une large échelle. Et là, les premières immersions. Alors là, vraiment, la toute première, c'est à Monaco. Et là, le Cap d'Agde vient d'immerger des nouveaux systèmes voilà, issus de l'impression 3D. Donc le champ d'investigation est très intéressant parce que on peut partir dans toutes les formes possibles, même dans des formes artistiques, puisque nous aussi, on a fait l'impression 3D.
à base d'amidon, de pommes de terre, parce que surtout pas en plastique, hein, on reste sur du béton parce qu'il n'y a pas d'effet sur l'environnement. Mais ce n'est pas toujours évident de faire de l'impression 3D. C'est dommage, j'aurais pu vous montrer des photos si j'avais su que Sylvain n'était pas là. Mais bon, voilà, il y a vraiment un développement technologique qui va se faire dans les prochaines années et qui est déjà en test en termes d'immersion. Voilà, je ferme la parenthèse pour Sylvain. Et donc, moi, on m'avait demandé d'intervenir sur l'aspect comment les espèces s'installent sur les récifs. Alors, c'est une question qui est complexe parce que le milieu marin, c'est en trois dimensions. Le cycle de vie, peux avoir mon petit diaporama. C'est en fait tout ça, c'est lié au cycle de vie des espèces marines. Et ce cycle de vie, il a comme partie commune, que ce soit pour les invertébrés ou pour les vertébrés, sur la plupart des espèces, comment dire, une phase pélagique larvaire. Et donc, qui dit phase pélagique larvaire dit dispersion dans le milieu. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir. Alors, je ne sais plus qui en a parlé, mais un ADCP, c'est un courantomètre. Et en fait, de mesurer le courant, ça vous permet de savoir si la zone où vous êtes, c'est plutôt une source, c'est-à-dire vous allez émettre des propagules, donc des œufs, des larves vers l'extérieur, ou si au contraire, vous êtes plutôt un puits. Et là, vous allez réceptionner pas mal de choses. Donc, en cas d'immersion de récif artificiel, ça peut être intéressant de savoir si votre zone est plutôt un puits et donc de récupérer pas mal de choses. On voyait qu'il y avait des estuaires où il y avait chez nous on appelle ça des lagunes, mais qui sont souvent des nurseries. En Méditerranée, les récifs ont été assez mis souvent en face des gros, des sorties, pour essayer de capter un peu tout ce qui sortait des nurseries. Donc voilà, c'est super intéressant. Là, je vous ai mis des photos pour ce qui concerne les invertébrés fixés. Donc là, on est vraiment à un stade bien avancé, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui se passe en premier, c'est ce qui se passe sur vos coques de bateau. C'est-à-dire que vous avez un fouling qui s'installe. Bien sûr, il n'y a pas de peinture anti-fouling, mais même avec les peintures anti-fouling, vous voyez que ça s'installe quand même. Donc les capacités de la nature à coloniser, elles sont très fortes. Même si c'est lisse, ça arrivera quand même à se fixer. Et donc là, vous avez une succession d'espèces qui sont assez connues, qui partent souvent du gazon algal. Et qui va tendre vers ce genre de choses, c'est-à-dire que vous avez à la fois des végétaux, mais aussi beaucoup d'animaux, et souvent des animaux filtreurs. Là, vous avez beaucoup de filtreurs qui s'installent, et au bout de quelques mois, voire quelques années, eh bien, vous avez ce genre de choses. Et le moteur, c'est principalement la phase pélagique, c'est-à-dire que, un peu aléatoirement, pardon, ça va se fixer sur ces surfaces de récifs. Alors après, vous voyez je vous ai rajouté attraction, biophonie, odeur. Tout ça, ça va faire du bruit. Les petits crustacés, les petits clics, tout ça, c'est un vacarme pas possible sous l'eau, surtout au coucher du soleil, au lever du soleil. On appelle ça les cœurs du soir. Et en plus, l'odeur, ça diffuse des phéromones, ça diffuse beaucoup de choses. Et tout organisme marin est capable, surtout les poissons, ont des capteurs un petit peu partout à la surface du corps et sont capables de capter ces informations, donc soit la présence de congénères ou la présence d'invertébrés ou de proies. Et donc tout ça, ça va attirer les poissons par la suite. Alors ensuite, on a les invertébrés mobiles. Donc là, je vous ai mis les langoustes, hein, on en a vu sur les récifs d'ALR. C'est le même principe, hein, les langoustes, elles ne vont pas ou rarement coloniser à la phase adulte, ça reste toujours de la phase planctonique. Nous, on a vu les petites langoustes qui étaient dans des logettes de parpaings, puisqu'on avait des amas chaotiques avec toutes sortes de morceaux de BTP, etc. Et il y avait quelques parpaings, et dans toutes les logettes, on avait des petites antennes de langoustes. Et on les a vues changer d'endroit, aller dans des endroits qui étaient un petit peu plus gros, puisque forcément, après la mue, il faut trouver un espace un petit peu plus grand pour aller se protéger. Et enfin, alors vous avez certaines espèces de poissons aussi qui vont coloniser
via cette phase larvaire, parce que ce sont des poissons qui sont vraiment très sédentaires. Bon, là, je vous ai mis des petites castagnoles de Méditerranée, parce qu'elles sont bleues électriques, on les voit bien sur les photos. Mais vous avez vu sur le film, vous avez des blennies, des gobies. Ben, eux, à la phase adulte, ils ne vont pas se déplacer. C'est vraiment, c'est arrivé au stade larvaire, et ils se sont installés comme ça sur les récifs. Et ensuite, vous avez la plupart des espèces de poissons halieutiques sur la diapositive suivante. Et souvent, ces espèces d'interhalieutiques, elles arrivent en phase adulte. Vous avez vu que dès l'immersion, quasiment quelques jours après, je suis sûr qu'il y avait des poissons qui étaient dessus. Et là, on voit bien que c'est des poissons qui ne sont pas nés sur place, hein, ils font déjà 20, 30, 40 cm. Et eux, ben, ils ont été capables de détecter la présence de ces récifs, ce qu'on appelle l'effet concentrateur ou l'effet dispositif concentrateur de poissons. C'est assez connu des pêcheurs, hein. Dès que vous mettez quelque chose dans l'eau, dès qu'il y a un objet qui flotte en mer, ça a tendance à agréger la vie marine autour, pour des raisons X ou Y, hein. Des fois c'est pour de la prédation, et des fois c'est de la protection, hein. On trouve un objet, on se cache à l'intérieur. Ben, les récifs, ça fait un peu la même chose au début. Et donc, vous avez les poissons qui vont s'installer en phase adulte. Alors après, reste à savoir, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est très variable d'une espèce à l'autre. Alors, sur la diapo suivante, ah oui, bon, vous avez du loup, du bar chez vous, pardon, chez nous, c'est du loup. Et donc, on a essayé de mieux comprendre les temps de résidence. Est-ce que les poissons étaient juste de passage ou est-ce que vraiment ils se fixaient sur place? Et pour ça, il n'y a pas beaucoup d'outils, hein, c'est compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est que le plongeur, quand il va sur site, il a une image instantanée, mais il n'est pas là tout le temps. D'où l'idée de poser des caméras, d'où l'idée d'avoir d'autres outils pour essayer de tenir dans le temps, parce que ben, l'observateur sous l'eau, ben, c'est 1 heure de plongée maximum. En plus, vous avez la marée. Nous, on a la chance en Méditerranée de ne pas avoir la marée. Mais même avec les nouveaux outils type recycleur, on a quand même une limite dans le temps. Et il peut se passer pas mal de choses entre le matin et l'après-midi, bien sûr, entre les jours, voire les semaines, voire entre les saisons. On n'observe pas forcément les mêmes espèces. Donc, pour essayer de mieux comprendre tous ces mécanismes, on a travaillé avec du marquage acoustique, c'est-à-dire qu'on a mis des sortes de puces, des émetteurs sur les poissons. Donc là, vous avez la chirurgie qui est faite et vous intégrez des marques comme ça qui durent entre un an et 2 ans. Et donc, cette marque, elle va. Il faut appuyer sur le. Voilà, elle va émettre. On peut tout faire défiler, ce sera plus simple. Voilà, elle va émettre un son, une émission. Acoustique qui va être capté soit par des récepteurs fixes qui vont être relevés tous les 6 mois, où l'information dans un rayon de 200 mètres, on sait que tel numéro de poisson est passé à telle heure, tel jour, à telle profondeur, puisqu'on a en plus l'information de la profondeur et de la température, ou alors à bord du bateau, on peut avoir un récepteur, un hydrophone aussi, et là on a quasiment carrément la position GPS du poisson. Bien sûr, on ne peut pas passer des heures non plus en mer, mais sur certaines phases de la journée ou certaines phases saisonnières, ça peut être intéressant. Et donc après, je vous ai mis quelques résultats scientifiques. Donc ça, on va passer très rapidement, c'est tout le balisage qu'on a installé. Et en fait, les carrés noirs qui sont tout en haut. Voilà. Donc là, vous avez au niveau, ben, c'est simple, hein, les points verts, ce sont les 6 villages de récifs artificiels qui ont été installés au large de Perpignan, sur la côte, en face de Leucate et le Barcarès, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, le point rouge, c'est une zone naturelle témoin. Et là, c'est tous les enrochements artificiels des ports, qui sont des points de relais aussi importants. Et ensuite, vous avez la côte rocheuse et l'Espagne qui est juste à ce niveau-là. Donc on a mis des récepteurs, des hydrophones sur toutes ces zones, et voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Encore après, voilà, là, il vaut mieux tout faire défiler, comme ça on aura tout. Donc ça, c'est à l'échelle de la journée, sur plusieurs mois d'enregistrement. On s'aperçoit qu'il y a 2 villages qui sont préférentiellement utilisés, donc des villages qui sont peu profonds. Un village un peu intermédiaire, donc en termes de quantité de réception, c'est plus faible. Et par rapport à la zone naturelle,
On est à peu près dans, bon, on est un peu inférieur, mais on est à peu près dans les mêmes niveaux de détection. Par contre, vous avez des villages qui sont quasiment très peu utilisés, c'est les villages qui sont beaucoup plus profonds. Et en fait, sur la diapo d'après, on peut continuer encore. On va tout afficher, voilà. Ce qui ressort, c'est que les individus qui ont été marqués sur ces villages sont restés définitivement sur ces villages, donc ils se sont sédentarisés. Donc il y a vraiment une activité qui est quotidienne sur ces villages, donc à la fois l'aspect refuge, l'aspect nutrition. L'aspect reproduction, ça je ne peux pas le prouver parce que c'est assez compliqué de les suivre pendant la période de reproduction. Et là, vous voyez qu'avec la falaise de Le Cat, les individus qui ont été marqués ici vivent définitivement sur la falaise de Le Cat. Il y a très peu d'échanges entre les villages Z2 et la falaise de Le Cat. Et en fait, ce sont uniquement les individus des récifs qui vont voir leurs collègues de la zone naturelle, mais ils y passent 1 heure et ils reviennent sur les récifs artificiels. Donc on voit bien qu'il y a ségrégation entre les deux zones et que les récifs sont bien utilisés définitivement. Et ensuite, vous avez tous les points relais que sont les digues et qui sont utilisés de temps en temps, certainement pour aller chercher de la nourriture. Et en fait, les autres récifs servent uniquement de corridor écologique, c'est-à-dire qu'on y fait quelques pauses, on se pose un peu et ensuite on repart. Donc c'est souvent des points de chute refuge et ensuite on va se balader, mais on retourne systématiquement sur son village de départ. Et ensuite, voilà, bon là c'était juste la conclusion pour cette partie-là. Ce qu'on voit, c'est que les récifs sont bien devenus des nouveaux habitats essentiels, hein. Il y a réellement sédentarisation, parce que sur toutes les images qu'on voit sur le film, il y a certaines espèces qui sont là de passage. Donc il faut arriver à faire la part entre ce qui est de passage et ce qui réellement va se sédentariser. Et ça, malheureusement, il y a une forte variabilité saisonnière et interannuelle. Donc c'est pour ça que c'est complexe. On n'a pas encore les réponses à tout, mais en tout cas, on s'aperçoit que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas juste un effet, parce qu'on m'a dit au début, mais les récifs artificiels, ils vont concentrer tout le poisson et il n'y aura plus rien ailleurs. Non, ce n'est pas comme ça. Et il y a réellement de la production qui se fait sur ces récifs artificiels. Parce que le grand débat initial des récifs, c'était est-ce que ça concentre uniquement, ça déplace et donc on n'a rien gagné, ou est-ce que ça produit aussi? Eh bien, on montre que là, ça produit réellement. Et après, dans le diapo d'après, puisqu'il y a d'autres questions, Ah non, ça, il ne faut pas le montrer. C'est pour après. Donc, en arrière. Voilà. Et donc, après, on verra quelles sont les fonctions écologiques qui peuvent être visées. Ben, c'est ce que vous cherchez aussi, hein, par les récifs. Et je crois que j'ai terminé pour ma part. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons donc faire un parallèle aujourd'hui entre la productivité, mais surtout on va enchaîner avec Madame Médioni donc sur le combien de temps finalement, en combien de temps pour nous espérer en fait de retour sur investissement? Non. Si, bah, c'est un peu ça. Oui. Oui. Allez-y, je Donc vous en prie. bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Alors en combien de temps? C'est un peu complet. C'est un peu compliqué, déjà au départ, quand vous mettez les récifs dans l'eau, d'estimer l'objectif que vous visez en fait, en termes de rapidité de colonisation parce qu'on met, et de quantité de poissons qu'ils vont pouvoir coloniser parce qu'on ne maîtrise pas du tout. Quand on a immergé, donc moi je travaille à la ville de Marseille, qui a immergé en 2007 27 000 mètres cubes de récifs artificiels, donc c'est le plus gros projet européen de récifs. Et donc l'objectif, l'institut nous a dit en 5 ans, ça va se coloniser, on va arriver un peu à un plateau. Bon, ben, ça a été plus rapide. Alors déjà, le lendemain de la pose des récifs, il y a déjà des poissons dessus. Donc les rascasses ont senti du remous. Peut-être Philippe pourra nous dire ce qu'une rascasse peut sentir sous l'eau. Mais en tout cas, le lendemain, quand on a fait les projets de contrôle, il y avait déjà des poissons dessus. Ça a été très rapide, beaucoup plus rapide que ce que les scientifiques nous avaient laissé présager. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien de temps en plus, enfin en moins, ça a pris. Tout ce qu'on sait, c'est que là, ça n'a pas encore fini de coloniser. Là, on a fêté les 10 ans d'immersion l'année dernière.
On fait la dixième année des suivis a démarré. On va avoir des résultats à partir de l'année prochaine. Mais en tout cas, on n'est pas encore arrivé au plateau. Ça s'est un peu ralenti. Voilà, on va dire que ça a été extrêmement rapide les cinq premières années. Ça s'est un petit peu ralenti, mais ça a bien continué vers 2014. On avait encore pas mal d'arrivées de nouvelles espèces. Donc maintenant, toutes les espèces sont arrivées, on va dire vers 2015. Donc ça a pris 7 ans pour que toutes les espèces qu'on voit sur une zone naturelle rocheuse soient visibles sur les récifs. Donc ça, c'est... Alors, il y a 6 types de récifs dans les récifs artificiels du Prado. Donc ça, c'est le récif Paniassier, c'est le plus haut, en fait. Donc lui, il fait 9 mètres de haut. Il y en a une vingtaine comme ça. Et en tout, il y en a 400 des récifs. Que dire de plus sur la vitesse? Donc on voit bien en fait que donc c'est très efficace finalement, comme nous l'a dit Monsieur Lenfant, en fait il ne suffit pas en fait d'avoir on pose quelque chose et ça vient, mais effectivement ça va très vite. Mais il y a effectivement cette appétence et cette de continuer à étudier pour arriver effectivement à ce plateau. Et puis le bon emplacement, parce que comme le disait Philippe, il faut bien connaître les courants de la zone. Nous on a des récifs à la Ciotat qui ont été posés avant et qui n'ont pas du tout fonctionné. Parce qu'ils étaient dans une zone où il n'y avait pas suffisamment d'arrivées de larves et de départ aussi pour que ça puisse après servir aux espaces autour. Avant d'immerger les récifs, surtout que les études qui ont été faites de faisabilité, il y a une importante étude de modélisation de la courantologie pour voir ce qui allait arriver et ce qui allait repartir. Merci beaucoup. La nature a horreur du vide. Donc, absolument. Voilà. Nous allons passer la parole à toi, Thomas Swardik, puisqu'il était question après de parler donc des différentes espèces que l'on peut donc observer, colonisatrices en fait de récifs, que ce soit ou en fait en Méditerranée ou chez nous, donc dans sur l'Atlantique. Oui, bonjour à tous. Donc Cineo suit la LR depuis maintenant 2006 concernant le suivi scientifique des récifs. Initialement, comme vous l'avez dit, il y avait une dizaine d'espèces qui avaient été référencé par VivoSub dans le cadre de l'étude d'impact initiale. Actuellement, on est aux alentours de 130 espèces sur les récifs d'Aquitaine en récif, donc c'est quand même une progression qui est assez intéressante, soit en vertébrés ou en invertébrés, et en s'intéressant principalement sur les espèces dites commerciales. Donc on ne s'est pas encore vraiment penché sur toutes les espèces de faune fixée, faune benthique, comme l'a pu évoquer Jessica. Donc ouais, il y a encore un travail d'analyse à faire clairement sur ces identifications, puisqu'au début, la vocation en effet initiale qu'avait lancé Gérard Fourneau, c'était de faire des récifs à vocation halieutique en partenariat avec le monde de la pêche et les pêcheurs locaux pour essayer en effet de ramener un peu plus de poissons au niveau des filets. Donc on s'est vraiment concentré au tout début sur les espèces commerciales. Donc en termes d'espèces, bon, Philippe sera mieux passé que moi pour les récifs méditerranéens. On a suivi quelques-uns avec lui également. Là, j'ai l'impression que la grosse différence, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de poissons ici en Atlantique que sur les récifs méditerranéens et peut-être également moins d'invertébrés fixés. Donc, on a un pouvoir par rapport aux différents récifs qui ont été nouvellement émergés. Il y a ce phénomène de biofilm qui apparaît, les filtreurs et principalement les moules qui arrivent. Une tempête hivernale se passe ici, voire plusieurs, avec des creux de 6 mètres. Tout ce cycle est détruit et sablé, clairement. Hein, donc il y a un vrai phénomène de sablage. Hein, c'est un karcher sous l'eau, hein, quand il y a 6 mètres de creux en surface. Et du coup, ces espèces disparaissent et il y a de nouvelles espèces qui apparaissent. Actuellement, sur les récifs, il n'y a quasiment plus de moules, en fait. On a beaucoup de mal à... On en voit très peu. Mais il y a d'autres structures, d'autres espèces qui arrivent par la suite et qui sont vraiment... qui utilisent, on va dire, le byssus des moules qui permettent aux moules de se fixer pour s'installer, en fait. Donc, il y a beaucoup de petits vers qui viennent se fixer et eux, il n'est pas rare d'avoir une épaisseur de 5 à 6 cm de concrétion animale, issue principalement de serpulidés, donc des petits vers, qui permettent de créer de l'alimentation pour différentes espèces, principalement les petits blennies et gobies, donc des poissons vraiment inféodés au récif. Et ensuite, se met la chaîne trophique, on va dire, en place. Donc voilà
très rapidement décrire ce qu'on peut voir au niveau des récifs, en tout cas dans le récif. Après, ce qui est important de noter aussi, comme le disait Philippe, c'est la présence dans l'eau des observateurs. Nous, on vient deux fois par an. Les membres de l'association, les bénévoles, ont intérêt à plonger, et c'est dans l'intérêt également de plonger très régulièrement pour collecter un maximum de données. Il y a également les pêches scientifiques qui sont réalisées avec le partenariat avec les pêcheurs pros. On a l'obligation, on va dire, d'accumuler de la donnée et de tous les moyens possibles pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne en fait. C'est vraiment notre volonté actuelle, donc avec Jessica, effectivement, qui a fait les formations de nos plongeurs bénévoles, qui bien sûr plongent très régulièrement pour avoir effectivement ces données-là dont Thomas en fait, nous parle ce matin. Et si maintenant en fait, je veux donner la parole à M. L'Enfant, ce serait peut-être pour pouvoir aller plus loin et dire en fait, ces espèces-là, une fois qu'elles sont là, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire ensemble, à quoi elles vont nous servir et pour combien de temps en fait, ça va durer. Vous êtes déjà commencé à parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, c'est la suite. Alors, donc, c'était les diapos qu'il ne fallait pas voir tout à l'heure. Les espèces, si elles restent, c'est qu'elles y trouvent un intérêt. La vie, alors, ma spécialité, c'est les poissons, donc c'est très centré poissons. Mais bon, quelque part, c'est aussi les espèces halieutiques que vous recherchez. Et la vie d'un poisson, elle est assez simple. Hein. C'est je me cache, je mange, je me reproduis. Donc on doit, si on a des poissons qui sont présents, eh bien c'est que vous avez soit une de ces fonctions écologiques qui est remplie par le récif, soit plusieurs fonctions qui sont remplies par le récif. Alors là, j'ai changé d'espèce, c'est pas le sarcomin qui est mon modèle fétiche, mais j'ai pris le congre, parce que ben, on l'a aussi sur vos images, c'est une espèce qui est assez présente systématiquement dans les récifs, et on voit bien là que l'effet refuge, il est très marqué. C'est vraiment, en tout cas les récifs qui sont chez nous, où il y a des, comment dire, de la sorte d'amas chaotique, où il y a des anfractuosités, où... Ces poissons serpentiformes peuvent s'installer, eh bien on les voit qui sont présents quasiment tout au long de l'année, en plus avec des marques souvent bien spécifiques qui permettent de les reconnaître d'une mission à l'autre, d'un comptage à l'autre. Donc il y a l'effet, il y a la fonction refuge du récif et donc l'intérêt d'avoir cette fonctionnalité. Hop, si je fais ça, ça ne marche pas. Donc la suivante. Vous avez l'habitat reproduction. Alors là, ce n'est pas le poisson qu'il faut regarder. Ce n'est pas la mostelle, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et alors ça, ce n'est pas du poisson, ce sont des pontes de calamars. Et donc, les calamars, c'est un peu particulier dans le sens où ils ne sont pas attirés spécifiquement par les récifs, ils sont attirés par tout type de support, mais en tout cas, le support récif leur permet de faire ces pontes, et vous voyez, en grande quantité. Donc vous avez d'autres espèces, des espèces de poissons qui peuvent utiliser des coquilles vides d'huîtres, etc., pour réaliser leurs pontes, et souvent, tout ce qui est espèces benthiques va utiliser le récif comme zone de reproduction. C'est vrai pour les blennies, les gobies et d'autres invertébrés. Et ensuite, vous avez l'habitat nursery. La nursery, c'est en fait votre zone, c'est la pouponnière. Donc c'est une phase critique du cycle de vie des espèces, hein, parce que vous avez entre la phase larvaire et la phase juvénile, vous avez une forte mortalité. Alors, il n'y a pas que moi qui va travailler aujourd'hui. À votre avis, sur 1 million d'œufs qui sont émis par les poissons, donc 1 million, hein, je fixe le chiffre d'un million pour que ce soit facile à calculer. À votre avis, combien d'individus vont pouvoir boucler le cycle, c'est-à-dire survivre à leur phase larvaire, survivre à leur phase juvénile, pour ensuite se reproduire? Alors, à votre avis,
Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Sur 1 million, hein, quand même. 10, 10, 10 à ma gauche. Une centaine? Un individu. Voilà. Donc ça, ça vous donne l'ordre de grandeur. 10 puissance 6 de mortalité. C'est pour ça que toutes ces espèces, elles produisent en masse beaucoup de d'œufs et donc beaucoup de larves pour que, au bout du compte, on ait quand même quelques individus qui arrivent à se maintenir. Donc vous voyez que, en plus, les zones de nurserie, elles sont très côtières. Patrick a parlé des anchois. Tout ce qui est pélagique, ça reste aussi assez côtier quand même. Mais tout ce qui est poisson nectobanti, comme le loup, comme le sar, toutes ces espèces, les zones de nurserie, c'est dans 1 mètre d'eau le long du littoral, dans des endroits bien particuliers. Sauf que le littoral est tellement artificialisé qu'on a perdu une bonne partie de ces espèces. On tape souvent sur la tête des pêcheurs en disant « oui, c'est eux qui détruisent les stocks ». Effectivement, ils ont peut-être un peu mal pêché par le passé, mais là, ils commencent à changer de façon de pêcher. Mais sauf que les nurseries, elles sont énormément dégradées. Et il n'y a que 5% en Méditerranée des nurseries qui sont dans des aires marines protégées. Ça veut dire que ben là, on a un gros travail à ce niveau-là. Et si les récifs artificiels eh bien, remplissent cette fonction de nurserie, c'est une fonction clé dans le cycle de vie. Et donc ça, c'est un plus pour les espèces. Donc ça, c'est une autre fonction qui peut être trouvée dans les récifs artificiels. Et là, hier, j'étais encore dans l'eau pour installer des récifs de complexification pour travailler sur l'effet nurserie des récifs qui sont déjà immergés sur nos côtes. Et j'espère avoir des infos d'ici quelques mois. Et voilà, et donc c'est la fin. Donc pourquoi coloniser les récifs artificiels? Donc, parce qu'on retrouve des fonctions écologiques semblables à celles qu'on trouve dans les zones naturelles. Donc ça, c'est plutôt, alors souvent de zones rocheuses, hein, bien sûr. Et le temps de résidence, eh ben, il dépend énormément du comportement aussi individuel. C'est-à-dire que je vous ai montré des individus qui étaient sédentaires sur certains récifs. Ben, il faut savoir que de la même espèce, vous allez avoir des individus qui ne vont pas du tout être sédentaires, qui vont être beaucoup plus nomades. Et on a la théorie en écologie de shyness, boldness et timide versus, alors l'opposé de timide, j'ai oublié en anglais, aventureux, du moins, en tout cas, qui a des capacités de dispersion. Et donc, c'est assez compliqué, même pour une espèce, d'arriver à définir combien d'individus de cette espèce vont rester sur les récifs et combien vont aller à l'extérieur. Mais ça, c'est valable en milieu naturel. Donc, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que le récif ne marche pas. Au contraire, ça veut dire qu'il remplit les mêmes fonctions qu'une zone naturelle. Très bien, merci beaucoup. Nous allons prendre... Nous sommes maintenant en fait sur, on est toujours en fait sur le fonctionnement en fait de l'écosystème récifal et on va arriver justement sur, on est sur la fin en fait du fonctionnement. C'est comment on gère finalement. On a vu en fait les espèces, les espaces, mais la gestion en fait de ces espaces-là. Et c'est donc, je vais passer la parole à Madame Médioni en fait pour nous parler justement de cette gestion, bonne gestion, comment est compliquée, comment on fait finalement? Ça dépend de quoi on dépend. Moi, je dépends de la ville de Marseille. On est 11 500 agents. Je ne vais pas dresser l'image de Marseille. Il y a des priorités de gestion dans la ville, de sécurité, d'emploi, etc., etc. Donc, nous, on est une équipe de 5 personnes, donc 5 personnes sur 11 500 agents. Donc, on essaye de se faire entendre. Mais c'est vrai que ce n'est pas la raison d'être de la ville de Marseille, ce n'est pas de gérer une aire marine protégée ou un site de récif artificiel. Mais ça plaît. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de montrer positivement la ville de Marseille. Et on sait que dans les médias, on ne montre pas toujours Marseille de manière positive. C'est quelque chose qui interpelle les gens. On peut dire qu'on est quand même le plus gros site d'Europe, de Méditerranée. Ça, les Marseillais aiment bien dire qu'ils sont les premiers. Voilà, donc ça fait quand même des choses qui fait qu'on arrive quand même à faire des choses. Le premier chargé de mission qui a travaillé sur les récifs du Prado et qui avait commencé à beaucoup d'échanges avec Aquitaine Land Récif, parce que le projet de récif du Prado, il date de 1998, donc un peu la même période. Donc en plus, M. Fourneau et Jean Beroy, chargé de mission, étaient un peu le même profil rugueux mais attachant.
Et du coup, moi, j'ai repris le projet le jour où le dernier récif a été mis à l'eau. Parce que M. Bourreau est parti à la retraite le jour où le dernier récif a été mis à l'eau. Très bonne comptabilité de l'administration. Et du coup, je me retrouve avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut donc une zone de 200 hectares en plein milieu de la rade sud de Marseille qui passe avec beaucoup de bateaux, des plongeurs, des pêcheurs, etc. Donc, il y avait cet aspect-là donc, de vraiment de gestion, de réglementation à mettre en place, de surveillance. Et puis, on a mis 6 millions d'euros d'investissement sur la table. Ça serait dommage que ce soit 6 millions d'euros d'argent public uniquement pour faire du poisson pour les pêcheurs professionnels. Donc, il a fallu inventer toute la gestion et tout ce qu'on allait mettre en place avec les plongeurs, avec les écoles, donc de programmes pédagogiques. Donc, tout ça s'est construit et la volonté dès le départ, ça a été de gérer la zone comme une aire marine protégée. Ça, c'est pas juste comme un cantonnement de pêche. Voilà, on va fermer, c'est interdit à la pêche, voilà, quelques suivis de temps en temps. On s'est dit non, il faut vraiment que ça puisse servir et que ça puisse aussi être exporté ailleurs, le modèle ou en tout cas les initiatives qu'on avait prises. Donc, on a mis en place une réglementation, on a mis en place une surveillance, on a mis en place un comité de pilotage avec un conseil scientifique dont Philippe est membre. On a mis en place un programme pédagogique avec les classes, des actions de communication, des suivis scientifiques qui allaient au-delà de ce que nous demandaient les services de l'État. Les services de l'État, dans les autorisations qu'ils donnent pour immerger des récifs, demandent des suivis juste pour prouver, enfin en tout cas à l'époque, juste pour prouver que ça se colonise bien et que ça n'impacte pas le milieu. Nous, on voulait et on veut toujours aller plus loin pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment ça se connecte avec les espaces naturels qui sont autour, comment du coup le récif peut aider aussi à limiter les impacts soit de cycles naturels, parce qu'il y a des années, on n'a pas beaucoup de certains poissons, puis il y a d'autres années, on en a beaucoup, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un cycle naturel, ou pour pouvoir aider par rapport à un changement plus global. Donc du coup, tout ça, c'est plusieurs années de travail, de mise en place, et puis chaque année, ce sont des nouveaux projets. L'année dernière, on a fêté donc les 10 ans. Pour ces 10 ans, on a fait un film de réalité virtuelle. On a fait des petits films, dont un vient d'être primé à Deauville là, début mois de juin. Voilà, chaque année, comme une aire marine protégée, en fait. On gère ça comme un espace protégé. Voilà. Merci beaucoup. Si on peut, du coup, prendre un petit peu de... échanger un petit peu de puisque vous parlez, en fait, de sciences participatives, finalement, en fait, puisque vous associez différentes parties prenantes, que ce soit encore une fois les scientifiques, mais aussi donc les écoles, des services bien sûr de collectivités. Comment, et là du coup je vais passer la parole à mon voisin, le dimensionnement en fait pour soutenir la pêche professionnelle, on parle aussi d'espèces cibles, mais si, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure en fait de sciences participatives, comment associer finalement toutes ces parties prenantes pour arriver à une gestion la plus, pas performante, mais qui sera la meilleure, tout simplement. Ça, c'est vrai que c'est un mot à la mode maintenant, science participative, science citoyenne. Alors, science citoyenne, science participative, il y a une petite différence. Dans les sciences citoyennes, si vous allez sur le site web, vous avez la fondation Science Citoyenne. Il y a dans la science citoyenne, une notion de gestion plus importante. On s'implique beaucoup plus dans la gestion. La Fondation Sciences Citoyennes peut donner des avis qui sont des avis, je dirais, très précis. Dans les sciences participatives, là, ce sont des réseaux qui existent depuis longtemps. On a parlé des réseaux du muséum, par exemple, en Angleterre, il y en a beaucoup. C'est des réseaux souvent naturalistes. Ils datent de 50 années, à peu près. Pour ce qui concerne la pêche proprement dite, moi j'ai travaillé pendant 30 ans sur les pêches estuariennes. On ne peut pas se passer de l'expérience des professionnels, et on ne peut pas se passer, puisque j'ai travaillé également aussi avec des pêcheurs aux lignes en Bretagne, on ne peut pas se passer de l'expérience naturaliste des pêcheurs aux lignes, des gens qui ont l'habitude de côtoyer la nature. Ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on a la science infuse, c'est faux. Donc là, il faut partager les savoirs, partager les savoir-faire. Ça, c'est très important. C'est-à-dire écouter les gens, essayer également de tirer parti de toutes leurs connaissances, puis d'échanger nos connaissances, de telle manière à ce que différents points de vue, différents regards peuvent être synthétisés et puis ensuite après essayer de un peu de se désenclaver. Le scientifique, il est caractérisé de plus en plus maintenant, avant c'était plus généraliste, mais maintenant on est vraiment sur des thématiques qui sont des thématiques très pointues, on fait du modèle.
beaucoup de modèles. Il y a des modèles de réseaux trophiques qui sont faits. Ce n'est pas fonctionnel la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer des effets de gestion. Donc, on est toujours obligé, de plus en plus, dans les sciences participatives, d'avoir bien sûr des outils qui sont des outils de science, des modèles, parce que ça nous permet de simuler un peu différentes, point de vue expérimental, différentes situations. Mais surtout, ce qui est aussi important, c'est de calibrer. À chaque fois qu'on a fait des modèles, on a fait des modèles assez précis, par exemple, sur l'évaluation des populations de civelles remontant dans les estuaires. Chaque fois, il y avait un compte rendu qui était fait avec les professionnels. Croyez-moi, si on se trompait d'ordre de grandeur, on était vite recalibré, c'est le cas de le dire. Tout simplement parce qu'il y a des gens, d'abord, qui gagnent leur vie, ou des naturalistes, c'est leur passion, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils étudient un milieu. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va venir jeter, non pas un coup d'œil, bien sûr, mais va avoir une expérience de 4-5 ans qui va automatiquement en savoir plus, que la personne saura des choses différentes. Donc, les sciences participatives, c'est véritablement un échange entre savoir et savoir-faire. Quand je donnais le type d'expérience qui a été fait au Japon, vous avez environ 10 catégories d'AMP. J'allais dire MPA, à chaque fois on prend le sigle anglais. D'air marine protégée, 10. Aucune, même les parcs naturels, n'interdisent la pêche. Jamais. Tout simplement pourquoi ? Parce que, un, ils estiment que les communautés littorales qui ont vécu depuis des centaines d'années, le Japon est tourné vers la mer, il y a peu d'agriculture au Japon. On est tourné vers la mer, ils estiment que le savoir et le savoir-faire font partie d'une culture, que cette culture doit être automatiquement inclue dans ce qu'on appelle le développement durable. Vous savez qu'il y a le développement durable, on a eu ces trois piliers de gestion durable, ce sont l'économie, le social et l'environnemental. Et on s'est aperçu qu'on a failli complètement, tout simplement parce qu'on a oublié d'abord la gouvernance environnementale, le respect des écosystèmes, on en a parlé au départ. On les a dégradés, très difficile de les restaurer, mais les récifs peuvent participer. On a vu également des grandes expériences qui ont été faites au Japon à suite de dégradation de l'environnement. Et il y a des dégradations encore plus importantes qui sont faites après les tsunamis. Il faut savoir qu'ils bâtissent des murs de 14 mètres entre, les communautés et la mer. Certaines communautés ne voient plus la mer, tout simplement parce que les tsunamis sont d'une force considérable et ont bâti des murs de 14 mètres. Et les communautés littorales se battent contre ça, tout simplement pour dire que, attendez, nous, on vit de la mer, on veut voir la mer, et on ne veut pas d'un bâtiment de 14 étages, c'est le cas de le dire, enfin tout au moins de 10 étages pour ne pas voir la mer. Donc, au Japon, ces communautés littorales font partie du développement durable et on inclut toujours la culture au sens large. Donc c'est ça aussi l'importance des sciences participatives qui vont se développer de plus en plus. Chacun apporte son savoir et son savoir-faire, et ensuite on confronte à la fois ses idées, ses connaissances, et au bout du terme, on s'enrichit, il n'y a pas de problème. Ça c'est vraiment... Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi dans les sciences participatives, c'est qu'il est nécessaire de le faire avec beaucoup d'humilité. Chacun apporte son savoir en disant « c'est pas moi qui ai raison ». On va essayer de confronter un peu nos savoirs, nos savoir-faire. On va essayer de les compléter. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut véritablement avoir beaucoup d'humilité, tout bord. Pas de problème. C'est pas parce qu'on a la science infuse, paraît-il, qu'on sait quelque chose. Non. Il faut travailler surtout sur des milieux complexes comme ça. On a vu ce que disait Philippe. On a vu ce que disait Thomas, on a vu également ce que disait ALR. C'est vraiment des milieux très très compliqués, et donc l'apport de tout le monde dans un cadre de sciences participatives avec les gestionnaires est nécessaire. Ça me permet tout simplement en fait d'enchaîner avec ce que disait Patrick, c'est que finalement chacun doit faire sa part, petite part, mais avec finalement si chacun s'associe pour arriver à ce que justement ça puisse progresser. Effectivement, on pourra être dans une bonne direction. La parole va être à vous, puisqu'effectivement, vous avez pu voir, écouter, entendre les interventions en fait, des uns et des autres. Qu'est-ce que vous auriez à nous poser comme question? Et si
vous pouviez donc vous présenter pour nous dire, en fait, je ne sais pas, si vous êtes peut-être pêcheur, peut-être juste amoureux de la mer, qu'est-ce que vous auriez éventuellement à nous poser comme question ou commentaire à faire par rapport à tout ce que vous avez pu voir tout simplement en fait, ce matin en termes de gestion, de suivi, d'espèces particulières. Les intervenants sont à votre disposition et l'association, bien évidemment, également. N'hésitez pas. C'est toujours le plus compliqué, c'est le premier. Merci beaucoup, monsieur. Le plus compliqué, c'est toujours le premier, mais vous avez levé la main. Merci beaucoup. Si vous pouviez juste donc, vous présenter et dire un petit peu la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour ces présentations très intéressantes, notamment les résultats de monsieur Lenfant par rapport au fait que moi, j'avais appris à la fac que on ne savait pas si les récifs artificiels déplaçaient des poissons ou s'il y avait des populations fixes, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai une question d'ordre général. Au niveau des sites participatifs, est-ce que dans la région Languedoc-Roussillon, il y a une relation avec les commissions régionales ou départementales fédérales, notamment les commissions environnement et biologie subaquatique? Moi, je suis actuellement responsable de la commission biologie et environnement subaquatique de la Nouvelle-Aquitaine. Au niveau fédéral, hein. Faut tout replacer dans son sens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent intervenir? Est-ce qu'ils plongent comme des éléments qui permettent d'avoir des informations supplémentaires? Est-ce qu'ils peuvent plonger sur ces sites-là? À Marseille, est-ce que c'est la même chose? Alors, je crois que notre région a changé de nom. Alors, je remets dans ces régions sud, c'est plus PACA. Mais bon, le temps qu'on ça monte, ils auront encore changé de nom, je pense. Donc, région sud, alors à Marseille, depuis 2009, on a un partenariat avec la commission départementale biologie de la FEDE, avec le CODEP 13, la section plongée biologique. Les récifs de Marseille sont interdits à la plongée. Et donc, l'idée, c'était de dire comment on pourrait quand même associer la communauté des plongeurs sans en faire un parc d'attractions pour plongeurs. Parce qu'il y a quand même le côté attractif, les gens ont envie d'aller plonger pour voir comment c'est. Mais on disait, c'est pas suffisant de plonger pour voir comment c'est. Il faudrait que ça puisse être mobilisateur pour inciter des plongeurs de la région marseillaise à se former à l'environnement marin, à ne pas faire juste de la plongée explo, de la plongée kilomètre, mais à faire de la plongée avec d'autres yeux. Et donc, avec la responsable Christine Roche, qui était présidente de la commission environnement biologie subaquatique de l'époque, on a imaginé un partenariat de veille biologique où il fallait signer une charte. Donc, plongeur, vous avez envie d'aller plonger sur les récifs, ben, vous vous engagez à faire un certain nombre de plongées et à faire des observations, de remplir des listes d'espèces, parce qu'on était sur la phase colonisation les premières années, et donc de signaler toute nouvelle espèce arrivée, de regarder un petit peu les tailles. Bon, après, le dispositif a évolué parce que, bien sûr, la maturation des récifs fait qu'on est obligé aussi de modifier le contenu. Mais le partenariat est toujours effectif. Là, on a voté encore au mois de juin au conseil municipal pour le partenariat 2019. La plus grosse difficulté, c'est déjà qu'il y ait une dynamique au sein de la communauté des plongeurs. Donc ça dépend vraiment de l'équipe et du président de la commission. Et puis surtout derrière, que les résultats servent à quelque chose. Il ne suffit pas d'accumuler des milliers et des milliers de photos, ce qui est notre cas, on en a beaucoup, beaucoup, et d'accumuler de la donnée, mais il faut aussi que cette donnée, elle soit exploitée. Il faut que l'information serve aux scientifiques. Donc il y a une étroite collaboration avec les scientifiques pour que les protocoles mis en œuvre soit scientifiquement, enfin une valeur scientifique derrière, et que les scientifiques puissent récupérer les résultats, mais aussi pour motiver les plongeurs, parce qu'il n'y a rien de plus motivant que de se dire que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un travail étroit. Alors on a la chance que le président du conseil scientifique des récifs du Prado est aussi membre de la commission bio, donc ça aide aussi à tirer vers le haut. Voilà, chaque année, Pénélope, hein, chaque année on remet le métier sur rail, on regarde les nouveaux suivis, les nouveaux protocoles, on s'adapte peut-être à une nouvelle équipe, qu'il y a un changement d'équipe. Voilà, mais c'est une manière d'associer la communauté des plongeurs. Merci. Région Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Je ne pense pas qu'il y ait de choses qui soient vraiment établies. Je pense qu'en fonction de chaque zone, il y a peut-être des interventions, mais
Il n'y a pas vraiment de coordination à l'échelle régionale, donc c'est vrai que ça serait une piste intéressante à proposer, surtout que en Occitanie, on a le droit de plonger sur les récifs. Il y a un manque de gestion, on va dire, assez général, sauf au Cap d'Agde, où là, c'est vraiment la commune qui gère l'espace maritime. Donc, et comme l'a dit Emilia, il faut aussi que, pour que tout le monde reste motivé, qu'il y ait une utilisation de la donnée et qu'ensuite, il y a un retour vers les participants. Donc ça, c'est plus fait avec les pêcheurs professionnels. Ça l'est moins fait avec les plongeurs. Donc ça, quand je vais retourner en Méditerranée, je vais leur proposer. Merci. Je voulais juste faire une autre remarque, s'il vous plaît. C'était par rapport à ce qui a été dit sur les aires marines protégées. Moi, je participe au comité de gestion de celui de Charente-Maritime, là, qui est récent. Il n'y a pas d'interdiction de pêche, en fait. À ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction de pêche. La seule chose, c'est qu'on essaye... Enfin, moi, je n'essaye pas, mais... Tout le monde essaye, il y a une gestion rationnelle, que chacun intervienne et comprenne qu'il y a des limites. Alors, j'avais une deuxième question, s'il vous plaît. Je me posais la question de savoir pourquoi, alors, vous avez répondu, pourquoi le béton, en effet, c'est une durée assez importante. Pourquoi on n'utilise pas aussi le calcaire? Parce que quand on compare des sites comme... alors, moi, je suis marseillais, c'est vrai, je côte bien les fonds méditerranéens, notamment autour de Marseille, moi, même si maintenant je suis en Charente-Maritime. Le calcaire, c'est quand même un moyen de fixer beaucoup d'espèces, si on compare à du granitique, par exemple, volcanique, etc. J'ai toujours posé la question. Je comprends que si on met du calcaire en peinture, par exemple, comme font certains pour les collecteurs d'huîtres, ça ne tienne pas s'il y a des mouvements de mer. Mais si on met des gros blocs de cailloux, comme on peut le voir sur des digues, est-ce que ça n'a pas un intérêt aussi? Merci. Alors, nous, sur Marseille, on en a. Dans les six types de récifs, il y a les amas de blocs rocheux, donc carrière Lafarge au nord de Marseille. Donc ça fait des digues sous-marines à peu près de 2 mètres de haut sur 15 mètres de long. C'est les récifs qui fonctionnent le mieux et ce sont les moins chers. Après, l'intérêt, c'est de diversifier. L'objectif, c'est de mimer la nature. La nature a mis plusieurs millions d'années à se mettre en place. Là, ce qu'il faut, c'est diversifier les outils. Hein. Le Prado, c'est un peu l'exemple type. On a vraiment tout type de structure. Et y a des structures qui marchent plus ou moins bien pour certaines espèces. Mais l'intérêt, le fait d'avoir une biodiversité maximale, c'est le fait d'avoir cette diversité d'habitat. Donc oui, s'il y a la possibilité, il ne faut pas s'en priver non plus. Juste précise, c'est le récif qui marche le mieux pour la biodiversité globale. Après, effectivement, quand on regarde, il y a certaines espèces, on ne les trouvera jamais sur des amas de blocs rocheux. On va les trouver sur d'autres types de récifs. Voilà, c'est une complémentarité, en fait. J'avais dit que c'était la première question qui était la plus dure, mais on va dire que c'est la deuxième. Qui va oser, peut-être? Merci. Merci beaucoup, Elodie. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, peut-être pour qu'on sache qui vous êtes. Ah, c'était devant, c'était juste là. Merci beaucoup. Oui, Daniel Mourat, je suis un gars du début. Excusez-moi, je pense à un tigeur. Non, je ne voudrais pas dire ce que je pense à un tigeur. Comment ont été choisis les sites d'immersion? Les sites d'immersion, il y avait une question au départ de profondeur et une deuxième qui était l'arrivée d'eau douce. C'est comme ça qu'ont été choisis les sites. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce qu'il y a des... Je sais qu'il y a des communes pas loin qui ont demandé pour mettre
des récifs. Mais ils ne correspondaient pas du tout à l'arrivée d'eau douce qui était souhaitée pour justement mettre ces récifs artificiels. Si vous voulez, peut-être Thomas, peut-être tu vas pouvoir répondre par rapport à ça. Enfin, c'est l'équilibre qu'on avait présenté précédemment par rapport à l'historique et les eaux. Et je comprends. En effet, comme on l'a déjà dit, il est important d'avoir cet apport d'eau douce, et que ce soit nitrite, nitrate, et qui permet d'initier, on va dire, la chaîne trophique. Donc le phytoplancton qui va se nourrir de ces apports nutritifs qui viennent de la terre. Et ensuite, le zooplancton et les différents juvéniles qui peuvent se retrouver. Donc il y a un vrai rôle, on va dire, d'initiateur de la vie de la terre pour aller vers la mer. Donc il est important, en effet, d'avoir cet apport d'eau douce. Et c'est également le cas, en effet, en Méditerranée, où la plupart des récifs sont immergés à proximité de gros ou de cours d'eau, comme à Agda, il me semble, il y a l'Hérault qui arrive à côté, pas très loin. Mémoire. Non, je me plante. Ouais, j'ai plus. Donc voilà, il y a en tout cas la plupart des récifs. Ici, on a la chance, sur la région Occitanie, il y a 12 lagunes. Toutes ces lagunes sont connectées avec la Méditerranée, donc par des chenaux, comme on peut ici aller voir avec le Bouligo. Voilà, ce sont des zones, en effet, importantes. L'arrivée d'eau douce doit être forcément prise en compte, en tout cas, pour de futures implantations de récifs. Donc, ouais. Je crois vraiment que ça passe aussi par une sensibilisation, une éducation des décideurs et des élus, parce que nous, souvent, pas qu'en France, on voit ça aussi sur des pays de la rive sud de la Méditerranée, les récifs artificiels sont un peu vus comme une panacée, comme un outil magique. Et on est toujours très réticents quand on nous demande notre collaboration, notre expertise, pour dire est-ce que vous pensez que ça serait bien qu'on fasse des récifs. On s'interroge sur le fait d'aller, entre guillemets, abîmer des fonds sableux qui n'ont rien demandé, qui ont leur fonction écologique, qui marchent très bien, pour aller poser dessus des structures avec une fonction de fond rocheux, pour pallier à d'éventuels problèmes en lien avec la pêche professionnelle, ou pour des thématiques, des problématiques aussi de plongée. Donc là-dessus, voilà, nous, régulièrement, on dit « Attention, vous avez des fonds en bon état, vous voulez mettre des récifs, pourquoi pas. C'est peut-être pas le bon endroit. Nous, le résultat à La Ciotat, c'est que les récifs, ils n'ont jamais fonctionné, qu'on a abîmé un fond sableux. Donc voilà, c'est d'éduquer, de sensibiliser les décideurs en disant « Vous avez envie, mais c'est peut-être pas le bon endroit, c'est peut-être pas la bonne idée, il y a peut-être autre chose à faire. » Peut-être que c'est un autre travail de gestion à faire que d'aller mettre des récifs. C'est peut-être aussi d'aller travailler avec la communauté des pêcheurs de loisirs. Il ne faut pas oublier les pêcheurs de loisirs qui ont des fois un impact super aux pêcheurs professionnels, suivant les zones. En tout cas, chez nous, ils font plus de tonnage de poissons que les pêcheurs pros. Voilà, et de travailler avec eux, voilà, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas un outil miracle. Merci beaucoup de cette précision. D'autres interventions potentiellement en fait, sur... Merci. Bonjour, Roland Legros. J'aurais voulu interpeller les politiques, mais bon, ils étaient pressés, ils avaient certainement beaucoup de choses à faire, ils sont repartis en suivant, ils ont fait les beaux. On a dans les Landes un problème particulier, dans le sud des Landes, un problème important, c'est le problème de la pollution qui est liée au maïs. Il faut savoir que 80% de l'eau qui est consommée dans les Landes sert à irriguer le maïs, et que la conséquence, c'est que nos rivières et nos nappes sont pollués par un dérivé de pesticide du maïs, qui est l'azamétalochlore. Je voulais savoir si vous avez des idées sur l'impact de ces pollutions agricoles sur ces récifs et ces zones côtières. Est-ce qu'il y a eu spécifiquement en fait, des études sur glyphosate ou autre perturbateur endocrinien? Je ne sais pas. C'est important. Une grosse partie des pollutions qu'on a en mer, c'est les bassins versants. Parler de cette pollution, en Méditerranée en ce moment, c'est les microplastiques. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là.
Le problème, c'est que c'est difficile à quantifier l'effet sur des populations, d'espèces fixées ou même de poissons, parce qu'il y a un facteur de dilution qui ne nous aide pas. Donc c'est souvent une accumulation sur le long terme. Après, on parle des nouvelles molécules aussi médicamenteuses qui peuvent avoir des effets sur le cycle de vie, la féminisation des poissons, etc. etc. Donc actuellement, moi ce que je vois en Méditerranée, c'est qu'il y a un gros travail des agences de l'eau pour travailler sur les pressions, c'est-à-dire en amont, sur les bassins versants. Nous, j'ai vu l'évolution de quasiment toutes les stations d'épuration vers du positif. Alors après, sur ce type de pollution, là, ça doit être... Ben, j'imagine que sur vos côtes, c'est aussi suivi. Donc, c'est... J'ai été très étonné. D'ailleurs, c'était ici, lors d'une autre conférence, j'ai posé à la dame de Pau qui s'occupait de l'université de Pau, qui s'occupait de la mesure des pollutions en mer. J'étais en relation avec elle et elle m'a clairement indiqué que ce genre de pollution n'était pas mesuré pour des raisons bassement financières sur l'océan. Parce que bon, on a quand même la directive cadre stratégie milieu marin, avec entre autres un indicateur qui est lié à tout ce qui est pollution. Et c'est une obligation nationale qui retourne vers l'Europe. Donc il faut que nous, tous nos indicateurs soient au vert pour ne pas payer de... voilà, donc ça en fait partie. Là, c'est plus vers les services de l'État et vers ceux qui vont gérer ces différents indicateurs. Il y a un indicateur biodiversité, un indicateur pêche, etc. etc. Donc, c'est des obligations européennes. Hein. Donc là, à un moment donné, même si ça coûte, il va falloir quand même... si ça a une atteinte sur le bon état écologique, il va falloir le prendre en considération. Mais là, on est en train de réviser tous les programmes de mesures et les programmes de suivi, parce qu'il y a aussi la DCE, et je pense que c'est plutôt la DCE, la directive cadre eau, qui doit être en charge de ce genre de suivi, qui, voilà, ils vont faire le bilan et certainement proposer des nouvelles actions de mesures. Donc, il va falloir être vigilant à ce que, et à faire remonter ce genre de choses, mais ouais, c'est compliqué. Bon, les scientifiques aussi sont là pour tirer les sonnettes d'alarme. Hein. Donc, appelez vos universitaires à la rescousse. Alors, je confirme hein, ce que vous venez de dire. Pour avoir travaillé dans les eaux estuariennes et un peu dans les eaux de transition, mais surtout dans les eaux continentales, beaucoup de substances toxiques ne sont pas mesurées. C'est même assez effrayant. Dans certains bassins, il y a des études qui sont faites et qui montrent qu'on est dans des situations parfois critiques. Je prends la baie de Seine, par exemple, où les études ont été faites par l'Agence de l'eau et ce qu'on appelle le Pyrène, hein, qui est un programme de recherche environnementale. Les scientifiques de l'université de Rouen et de Caen, je crois, ont mis en évidence le problème, en particulier de relâcher d'antibiotiques à des substances très faibles. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas ces antibiotiques dans l'eau. Par contre, ils s'accumulent dans les sédiments et on arrive à avoir des colonies maintenant bactériennes qui sont complètement résistantes à beaucoup d'antibiotiques. Vous savez, pour être résistant, un peu comme le venin de serpent, hein, pour être résistant au venin de serpent, il suffit de se l'inoculer à d'infimes doses, c'est pareil pour les bactéries. Donc on a d'énormes problèmes. Beaucoup de substances, qui sont les substances chimiques, qui sont très difficiles à détecter, à des doses qui sont relativement faibles, ne sont pas prises en compte. Les eaux qui sont véhiculées par... je ne vais pas faire du catastrophisme, hein, mais par le, je dirais, service public, on fait des mesures, mais les quantités véritablement, nanoparticules, métaux lourds, alors bien sûr les germes sont regardés, ça c'est évident, mais toutes ces particules qui peuvent agir à la fois sur la physiologie humaine et la physiologie donc des populations qui sont les populations aquatiques,
actuel, c'est, à part quelques expériences qui ont été faites, il n'y a pas grand-chose de fait. Tout simplement parce que, comme l'a dit Philippe, hein, c'est des résultats, c'est disons des moyens très lourds d'investigation. Et puis, travailler dans le milieu naturel, alors, je ne parle même pas du côtier, hein, je parle des autres transitions. Vous avez vu quand même que les autres transitions ici, alors c'est partout pareil, hein, Nouvelle-Aquitaine, en Méditerranée, c'est pareil. Les autres transitions sont dans un état catastrophique. Et nos gains, véritablement, de résilience, c'est-à-dire d'arriver à mitiger les effets, les impacts des différentes agressions sur le milieu, elles sont dans les eaux de transition. Or, pour l'instant, l'agence de l'eau, c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, mais je sais aussi que c'est le cas dans d'autres agences, a énormément de mal à caractériser ces eaux de transition. Tout simplement parce que les phénomènes sont beaucoup plus complexes que dans les eaux douces, qui sont relativement bien suivies. Donc, moi, je peux confirmer le fait que, oui, il y a véritablement des problèmes d'investigation. Il va falloir, dans les années qui viennent, et ça fait, alors si madame, vous connaissez beaucoup ce nom, madame Jacqueline Rabhi qui était là, elle pourrait vous le dire, mais c'est vrai qu'elle a hurlé depuis longtemps, elle continue encore à hurler, pour dire qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts pour justement améliorer la qualité de ses eaux. Et ça, c'est pas un problème simple, hein, c'est évident. C'est pas un problème de gestion, c'est pas un problème de politique, c'est un problème, je dirais, de prise de conscience des populations, et en particulier des populations littorales. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres interventions? Oui, je tiens, monsieur, derrière toi, Elodie. Non, au contraire. Merci beaucoup. Désolé d'accaparer les questions. Oui, j'avais une question, parce que depuis le début, tout le monde a évoqué l'intérêt des récifs dans le cadre de la pêche, en effet. Est-ce que dans vos récifs, bon, je fais partie de l'association Aquitaine en récif depuis très peu de temps, peut-être 2-3 mois, et je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du suivi du benthos, c'est-à-dire des hors espèces nageantes, on va dire, hors pélagiques. Est-ce que sur les récifs de Marseille ou peut-être du Languedoc, enfin j'appelle toujours le Languedoc, excusez-moi, il y a des suivis sur tout ce qui est benthique, microfaune, par exemple, etc. Et est-ce que, je suppose, hein, que c'est publié, parce que moi, ça m'intéresse pour différentes raisons, quelque part. Alors, sur les récifs de Marseille, ça faisait partie des suivis obligatoires, en fait, de suivre la colonisation. Donc, on a un échantillon avec tous les 6 types de récifs, plusieurs réplicas par récif. Et donc, effectivement, on a un suivi de la colonisation avec des quadras. Donc, on prend la photo toujours de la même surface. À l'intérieur des récifs, pour complexifier, on a aussi des pochons de coquilles d'huîtres. Donc, on a un pochon qui est remonté à chaque campagne pour aller regarder toutes les larves à l'intérieur, tout ce qui s'est fixé aussi dans les microcavités. Donc, oui, on a le suivi du benthos sur les structures. Alors, Languedoc-Roussillon, c'est variable. Ça dépend des sites, puisque les suivis ont été faits avant la doctrine État qui prévoit de façon obligatoire l'aspect benthos. Donc, certains l'ont et d'autres l'ont pas forcément. Alors, c'est aussi lié aux objectifs, enveloppe financière contrainte. Donc, par exemple, sur le cas de Barcarès, avec un objet vraiment projet porté par la pêche professionnelle artisanale. Donc là, le suivi a été centré sur les poissons qui colonisent et sur pêche expérimentale et suivi des débarquements. Donc, voilà. Mais ça aussi, c'est parce qu'il y a une contrainte budgétaire qui est assez forte. Merci. Juste pour compléter, donc au niveau des récifs du Créa à Oloron, il y a également un suivi de la faune fixée par des plaques qui sont posées et récupérées régulièrement. Et ici, sur les récifs ALR, Jessica a commencé un travail justement sur la faune fixée également sur les récifs et également sur la faune benthique présente dans le sédiment autour des récifs. Donc c'est quelque chose qui est en cours. D'autres interventions éventuellement ou questions à poser sur espèces, gestion? Merci beaucoup. Bonjour.
J'aimerais juste parler, poser une question en tant qu'étudiant. Je m'appelle Pierre Vidaillac, je suis passionné de mer. Je fais mes études sur Brest et j'aimerais savoir si l'un de vous aurait des propositions de stage et de formation à proposer. J'ai envie de dire qui ne tente rien n'a rien. Je trouve ça très courageux, bravo. Tu as les bonnes personnes. Alors la réponse, j'ai eu une oreille qui a traîné juste, mais il faut envoyer un CV, là, de motivation, en fait, j'ai envie de dire. Ou les rencontrer éventuellement à la fin, en fait, de la matinée, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous auriez donc d'autres questions éventuellement, en fait, sur, je sais pas, l'histoire qui s'est fait, les résultats que l'on a aujourd'hui? Des surprises. Désolé, encore moi. Bon, c'est ma formation. J'ai fait un doctorat de biologie marine à Marseille, il y a très longtemps. Et donc, je suis intéressé pas mal par ça, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des synthèses de vulgarisation faites par rapport aux différents contrôles, suivis des espèces sur ces récifs? Alors, sur Marseille, oui. Donc on a eu la première phase de suivi 2009-2014, donc là on a donc un énorme rapport et puis on a un petit rapport, voilà, donc un rapport vulgarisé, beaucoup plus accessible, donc on peut, qui est diffusé, et donc là nous allons, donc les suivis AT plus 10 donc pour la 10e année ont démarré, donc dès que les suivis seront terminés, que ce sera interprété, il y aura un rapport d'analyse complet et synthétique sur les 10 ans de suivi. C'est important de communiquer là-dessus, parce que quand on dit qu'on a mis 6 millions d'euros, pour Marseille, hein, on a mis 6 millions d'euros sous l'eau, ah oui, mais à quoi ça sert, quoi? Donc, ce qui est très frustrant, c'est que là, vous avez une année de suivi, là, 2019, quand on essaie d'expliquer aux décideurs, à la hiérarchie, que les résultats ne seront pas disponibles avant un an ou deux, après la fin des suivis, c'est compliqué aussi de garder la dynamique et puis d'avoir de quoi dire, regardez, ça marche, regardez, voilà les nouveaux résultats. Il y a tout ce temps de latence à gérer. Il faut être créatif, quoi. Région Languedoc-Roussillon, donc c'est la région qui a fait un travail de synthèse, qui est un gros document, donc qui est, je pense, accessible, assez facile, accessible physiquement en ligne, mais aussi accessible en termes de compréhension, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident. Et sinon, après, vous pouvez, au travers de la bibliographie, si vous vraiment voulez des choses plus pointues, avoir accès aux thèses qu'on a pu, demain, que j'ai pu encadrer ou qui a pu être encadrée par Sylvain Pioche, etc. Elle publie aussi, si vous voulez, des publications en anglais, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais vous remercier, sincèrement, remercier l'intégralité, en fait, des... Il y a une question ? Attends, pardon. J'ai pas vu. Pardon, excusez-moi. Alors, rapidement, puisqu'on va aller manger. J'avais été approché par Gérard, il y a pas mal de temps, parce qu'il voulait intégrer dans le Tipeee, je crois, des caisses plastiques pour faire de l'élevage d'huîtres. Là, je voulais savoir, enfin, de la croissance de naissins. Parce que par 20 mètres de fond, on supposait que ça allait mieux aller qu'à Arcachon. Donc je voulais savoir où ça en est, si ça a progressé. Il a disparu, ce qui a été mis dedans. Donc on n'a pas pu en fait aller au bout, tout simplement, malheureusement. Oui, on peut dire ça. J'ai dit il a disparu. Je ne sais pas, j'étais pas sous l'eau. Donc on n'a pas pu malheureusement en fait aller au bout de cette expérimentation ultime, enfin X expérimentation nous faisons, mais parfois malheureusement on peut pas aller au bout. On maîtrise pas largement pas tout, malheureusement. Une autre question par contre, éventuellement, je ne sais pas, dites-moi. Ou ben, je vais tout simplement en fait remercier. Pardon. Je voulais juste dire une petite chose parce que. Quand on parle des récifs on fait des conférences, etc., sur les récifs du Prado, à chaque fois, on veut mettre en avant que c'était une aventure humaine aussi. Et qu'on a été fait, voilà, le côté exemplaire de l'aventure humaine. Et du coup, je trouve que c'est assez réconfortant de voir que pour les récifs ici, ça a été un peu la même chose, que c'était aussi une aventure humaine. Profondément, et parce qu'il y a eu un homme au départ,
qui a permis effectivement que, ben, qu'on soit tout simplement là aujourd'hui. Et c'est grâce à lui. Donc, il me reste le mot de la fin. Donc, je voulais vraiment remercier tous les intervenants d'être venus de si loin pour nous accompagner pour ce 20e anniversaire. Merci à vous d'être venus et de nous avoir accompagnés également. Je vous invite à nous rejoindre pour un petit verre de l'amitié à la salle Océane à l'étage. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre encore de nombreuses années. En tout cas, sachez que toute l'équipe est pleinement mobilisée pour continuer tout le travail mené par Gérard Fourneau depuis plus de 20 ans maintenant. Donc merci encore et à bientôt.